Allez, c'est parti Steph, dans les derniers. on te retrouve juste là. C'est bon, enfin, on ne sait même pas quoi dire parce qu'on est tous déprimés là. On s'est pris un gros coup tous. Tu viens d'être éliminé. Là, tu sais, tu as envie de demander, tu vas bien? Non, je vais mal. Bon, comment ce coup sur la fin? T'as été extrêmement actif sur la table finale. J'étais actif parce qu'en fait, il y avait beaucoup de joueurs passifs. Il y a un chip leader qui n'a pas joué son rôle, donc automatiquement, et tous les autres joueurs étaient très très passifs, donc j'en ai profité pour être moins actif, malgré que j'avais pas le stack pour, mais il me laissait l'opportunité de l'être. Oui, mais surtout que à un moment donné, tu es tombé à 400 400 et tu es remonté, tu as grindé, mais pas sans double, ouais. Voilà, sans ouais. rien, sans doubler, ouais. etc. Et tu es remonté à un peu plus d'un million. Plus d'un million, j'attaque au bouton As-Roi de cœur, 110 000 sur 25-50. Je suis tributé par la petite blinde à 285 000. Je chevauline pour 1 million et call la limite. Hein. J'ai As-Roi, un classique, un numéro. Arrivé un peu la même, non, il me semble, au Ouais, j'arrivais WSOP même sur le avec main. As. Il avait deux dames, c'était la même chose. Il faut gagner ses coups pour gagner un tournoi, je pense. Ouais, Sinon, c'est clair, c'est je pense important. que c'est pas possible de le gagner. On a demandé tout à l'heure à Kulchen, parce que bon, c'était quand même assez sympa de vous avoir tous les deux en table finale. Comment vous avez géré ça? Comment ça a été pour toi d'avoir Kulchen avec toi à C'est pas un table? avantage, on dira, d'avoir un confrère à table, un ami surtout aussi, je veux dire, dans la même team. Parce que, je veux dire, du moins, on peut se gêner énormément sur les coups. Je veux dire, j'ai pas trop envie ni de le destaquer, lui non plus. J'ai pas envie d'attaquer ses blindes, il a pas envie d'attaquer les miennes. Donc, c'est plutôt un désavantage, on dira. Mais ça fait plaisir de jouer quand même entre nous. Se retrouver à la même table, finale d'un WPT, c'est quand même super. Tu vas enchaîner sur quel tournoi là Je vais maintenant? à Madrid pour faire le PT de Madrid. D'accord, donc on va retrouver beaucoup de la team Poker Leaders, parce que Bruno Ouais, nous a dit Bruno qu'il... aussi, on y va ensemble. Donc, en espérant qu'on sera en finale à Madrid. Ah, ce serait Un bien. remake. Et Vienne. Et Vienne, pourquoi pas. Donc Madrid, écoute, on est très très contents de t'avoir suivi et puis je sais pas si on a réussi à vous soutenir. Oui, Mais bien sûr, on nous a soutenus, mais si on c'est était mais là. c'était c'était voilà, donc on te félicite et bravo pour tout ce que tu fais.